Bonjour, c'est Grifax. Je vous retrouve pour une petite vidéo rapide d'acquisition d'items. Je sais que vous aimez ça, hein, vous commencez à avoir l'habitude sur ma chaîne. Masque des fonds marins qui a été fait en brisage PA, moins 5 sagesse, moins 5 prospection, mais ça vous F. Enfin, non, parce que j'en aurais besoin peut-être pour PVM aussi. Ah, il me troll. Il me troll, regardez, il fait valider, il annule pour me troll. Et il sait que je suis focus en. Attention, hein. Attention, j'ai quand même des réflexes, hein. Mais en plus, j'ai mis le machin sur le bouton valider, je suis le pire bouffon. Allez, avec un peu de chance, il va recliquer, je vais être rapide. Bon, bref. Donc, j'ai des masses des fonds marins, j'en ai besoin pour plusieurs modes. Pour PVP, pour PVM, dans plusieurs modes différents. Donc, il m'en faut plusieurs. Et là, j'en ai quand même un qui est sympa. Le moins 5 sagesse fait qu'on ne peut pas considérer que ça devient perf, mais c'est quand même un jet qui est propre. Surtout avec le perf vita, le perf chance, ça fait quand même plaisir là-dessus, c'est pas. Oh, j'y étais presque. Et voilà, donc bah écoutez, je suis quand même content d'avoir déjà ce premier. Je pense que j'attendrai d'en avoir plusieurs pour voir lesquels je transe pour PVM, lesquels je transe pour PVP et compagnie. Je fais souvent ça sur mes items quand j'en ai besoin dans plusieurs modes du même item. J'attends d'en avoir le nombre qu'il me faut et après je me dis bah celui-là c'est le plus beau, il va aller pour PVP. Celui-là il y a le plus de prospection, il ira pour PVM, etc. Je me fais ce genre de petite magouille. Évidemment, on n'oubliera pas que je signerai à la Marine Trans pour que ce soit modifié par Grifox, et ça fera encore rager les gens sur YouTube, et ça me fera du coup plus de commentaires de gens qui me disent t'abuses de ouf, et ça me fera monter mes vidéos en référencement. Et ça, les amis, c'est de la strat YouTube opti. Bref, donc bah, il est très gentil, hein, il m'a dit qu'il me le passait pour contre 100 orbes et sans rune PA. Donc écoutez, on est juste parti là-dessus. Ça régale, c'est tout à fait correct. Avec une passa en plus, ça vaudrait quand même vraiment beaucoup plus cher. Là, le prix pourrait s'envoler. Mais le 45 sagesse, en fait, casse complètement la valeur de l'item. J'ai presque envie de tenter une rune passa en crit, mais bon. Peut-être pas abusé. Bon, cela dit, c'est pas impossible que sur un stream d'ici peu, ça parte sur un petit tenta crit passa. Bon. Voilà en tout cas, petite acquisition bah, qui me fait encore avancer sur mes modes, à la fois pour PVM et aussi parce que je vous prépare d'autres classes en PVP que ma team colis actuelle pour pouvoir varier les compos. Et on avance, pas à pas, on avance, et ça fait plaisir. Donc merci à lui pour. Bon, en vrai, c'est correct, hein, du coup, ça fait à peu près aux valeurs actuelles, là, à peu près 17 millions, 18 millions. Je pense que c'est à peu près ce que ça vaut, c'est à peu près réglo. Voilà, je pense. Bah, merci à lui, et du coup, fin de cette petite vidéo d'acquisition, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.